Lotfi Madjer s'éloigne encore de la sélection algérienne. La Fédération Qatari de football a récemment annoncé la liste des 25 joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe d'Asie U23 de l'AFC Qatar 2024. Parmi les joueurs retenus se trouve Lotfi Madjer, qui évolue actuellement au sein du club Al Duel. Le Qatar est placé dans le groupe B de la compétition, aux côtés de la Corée du Sud, du Myanmar et de la République Kirghize. Malgré cet éloignement de la sélection algérienne, il reste à noter que rien n'est encore fixé quant à l'équipe nationale à laquelle Lotfi Madjer choisira de se joindre. Tant qu'il n'aura pas joué pour l'équipe première du Qatar, la possibilité d'un changement de cap demeure. Il pourrait suivre les pas de son père, Rabah Madjer, pour porter le maillot vert de l'Algérie. Cependant, aucune information officielle n'est sortie à ce sujet, d'autant plus que la Fédération algérienne de football n'a jamais pris contact avec le joueur, selon certaines sources. Il est important de rappeler que la première apparition de Lotfi Madjer avec l'équipe nationale du Qatar remonte à juin 2020. À l'époque, la Fédération qatari de football l'avait inclus dans la liste des joueurs convoqués pour la sélection U19. Dans le cadre d'un stage de préparation en vue de la Coupe d'Asie, même s'il n'avait pas encore joué en Qatar Star League, la première division qatari. À cette période, Lotfi évoluait au sein de l'équipe réserve d'Al Duel.